Sochaux 6e accueille Metz 3e. Les Sochaliens n'ont plus d'espoir, restant sur 6 défaites consécutives. Metz de son côté joue gros. Les Messins sont en grande forme. Ils ne perdent plus depuis bien longtemps. Ils restent sur 4 victoires et 2 matchs nuls. Et ils jouent encore la montée. Il leur faut faire un résultat pour y croire. Metz se déplace avec Sabali, Maziz, Diallo et Miko Tadze, bien sûr. Sochaux de son côté ne peut compter sur Rasoul Diaye suspendu. Mais Dossou, Sissoko et Kaloulou sont titulaires. Les Messins vont de l'avant d'entrée de jeu avec une première possibilité. Essayer de tout de suite faire la différence. Une jolie tentative avec ce ballon enroulé. Et c'est bien sauvé par Maxence Prévost. Une occasion pour Diallo. Ça ne passe pas d'entrée de jeu, mais les Messins continuent avec toujours Diallo sur son côté. Le centre et la reprise de la tête, la barre transversale. La présence de Prévost. Il dévie ce ballon sur sa barre. La reprise de la tête de Danley, mais ça ne passe toujours pas pour les visiteurs. Les Lorrains sont très entreprenants. On retrouve Miko Tadze avec un angle fermé. Il ne parvient pas à franchir les défenseurs, mais ses coéquipiers ont suivi. Double parade de Prévost. Le gardien sochalien repousse l'échéance avec de multiples tentatives et quasiment une occasion de marquer pour chacun des joueurs messins. Mais toujours pas de but à la pause. 0-0. Un résultat qui pourrait faire les affaires du Havre et de Bordeaux à distance. Les Sochaliens n'arrivent pas à se procurer d'occasion. Au retour du vestiaire, c'est la même physionomie. Toujours Metz à l'attaque. Avec ce centre et la reprise à bout portant de Cher Sabali. Le centre de Maziz est dans une très bonne zone. Et Sabali coupe la trajectoire pour le but du 1-0 à la 49e minute. C'est un excellent début de seconde période. Et le deuxième but de la saison pour Sabali. Ce but change tout pour le FC Metz. Les Lorrains continuent à avoir le meilleur visage sur le terrain. Ils concrétisent leur domination. Reste maintenant à tenir ce score ou l'améliorer. Sochaux sort un petit peu de sa moitié de terrain. Mais met trop d'engagement sur cette action. Skelly Alvero enlève tout sur son passage et reçoit un carton rouge. Le jeune joueur sochalien est exclu à la 61e minute. Ça veut dire une demi-heure à jouer en infériorité numérique. Ça se complique pour les Lyonceaux. Et Metz peut y voir plus clair, même s'il reste encore du temps. Les Messins sécurisent le résultat. Les minutes tournent pour eux. Et pourquoi pas un deuxième but pour être plus tranquille. Avec cette belle action, Miko Tadze pour conclure. C'est encore sauvé par Prévost. Exceptionnellement, pas de but pour Georges Miko Tadze dans ce match. Les Messins ont mis le but qui fait la différence. À eux de ne pas céder à 11 contre 10. Une action quand même pour Sochaux. Le tacle salvateur de Fally Kandé. Et le score reste en l'état jusqu'au bout. Courte mais très précieuse victoire de Metz. 1-0 sur le terrain de Sochaux. Car dans le même temps, Bordeaux a perdu. Metz est donc deuxième avant la dernière journée. Metz joue la montée jusqu'au bout et attaquera le dernier match en position de deuxième.